De Finlande est l'un des pays les plus nordiques du monde. Elle sépare les trois pays scandinaves, Suède, Norvège et Danemark, de la Russie. La Finlande, ou Suomi comme on dit en finnois, est membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1995. La population, 5 millions d'habitants, se concentre principalement dans le sud du pays, sur la côte et dans la région des lacs. Le nord, c'est la Laponie et ses grands espaces vierges. La Finlande est surnommée le pays aux mille lacs. Un géographe, Tatillon, en a recensé en réalité 187 800. Ils occupent 10% du territoire et sont reliés entre eux par une multitude de canaux naturels et de rivières. La forêt couvre les deux tiers du pays et constitue la première ressource économique. Le bois, mais aussi la pâte à papier ou la cellulose, sont expédiés dans l'Europe entière, été comme hiver. L'industrie finlandaise est bien présente également dans certaines technologies de pointe, comme la téléphonie. Le téléphone portable, depuis longtemps, est ici omniprésent. L'art de vivre finlandais ne se conçoit que dans l'harmonie avec les éléments de la nature, que ce soit en matière de sport, de loisirs, de nourriture ou d'habitat. La conservation du patrimoine historique et culturel, fort riche, fait l'objet de la plus grande attention. Chaque région a la charge de ses propres trésors. Les Lapons, ou Samis, sont les premiers à entretenir leurs traditions. Des traditions visibles dans l'habillement et dans la langue. Alors que le reste du pays est bilingue, finnois, suédois, la Laponie est bilingue, finnois, lapon. Ce peuple de chasseurs et de pêcheurs a adapté son mode de vie à la vaste étendue de toundra qu'est la Laponie. Surtout au-delà du cercle polaire. Le toit de l'Europe compte les seuls vrais reliefs d'un pays plutôt plat. Le renne, animal emblème de la Laponie, est une importante source de revenus pour ses habitants qui en élèvent plus de 200 000. Celui-ci s'appelle Rodolphe et il est au service du Père Noël, le personnage le plus célèbre de Finlande. En Laponie, et dans une moindre mesure dans le reste du pays, les saisons perdent le nord. C'est la nuit polaire et ses aurores boréales durant l'hiver, et le plein jour durant l'été, illuminé en permanence par le fameux soleil de minuit. Avec ses 1100 km de côte ouvertes sur la mer Baltique, la Finlande a longtemps accueilli des voiliers venus du monde entier. Aujourd'hui, ce sont les grands ferries venus de Suède et d'Allemagne qui accostent dans le port d'Helsinki. Helsinki. Fondée en 1550 par le roi suédois Gustav Vasa, Helsinki fut élevée au rang de capitale en 1812 à l'initiative du tsar Alexandre de Russie. C'est la statue de son successeur, Alexandre II, grand rénovateur de l'État finlandais, qui se dresse au milieu de la place du Sénat, le cœur historique d'Helsinki. La place est dominée par l'édifice symbole de la ville, la cathédrale protestante. Influence russe oblige, elle côtoie la cathédrale orthodoxe Ouspensky, bâtiment un peu incongru dans un pays à 90% protestant luthérien. Le port de plaisance d'Helsinki est chaque week-end le théâtre d'un étrange ballet, celui des laveurs de tapis.
Les bateaux sont au mouillage à proximité d'un quartier fait de petites rues, vestiges du début du siècle, bordés de superbes maisons de style Art Nouveau. Les 500 000 habitants d'Helsinki utilisent souvent le tramway pour leurs déplacements. Mais le centre-ville est si petit qu'on peut le parcourir à pied. Il gravite autour de la gare, bâtiment massif, achevé en 1919 et lui aussi de style Art Nouveau. Tout proche, le Théâtre National date de 1901. Il est gardé par la statue du père de la littérature finlandaise moderne, Alexis Kivi. À deux pas, la Mannerheimintie, la plus longue artère de la ville, mène à la rue Alexis, les Champs-Élysées d'Helsinki. Et à l'Esplanade, lieu habituel de promenade et de décontraction pour les citadins. Le monument, composé de 580 tubes d'acier qui ornent le parc Sibelius, du nom du plus grand compositeur classique finlandais, évoque une sorte d'orgue futuriste. Si l'orgue de l'église de Tempeliokio est plus traditionnel, il domine un lieu de culte hors du commun, creusé à même la roche. La richesse architecturale d'Helsinki est récente, à l'image d'un pays indépendant depuis seulement le 6 décembre 1917, après 7 siècles de domination suédoise, puis russe. Chaque jour, des dizaines d'embarcations quittent le port pour rejoindre les innombrables îles et îlots dispersés au large de la ville. L'île principale porte le nom du plus ancien vestige architectural de la capitale, Suomenlinna, la forteresse de Finlande. Édifiée en 1748 par un amiral suédois, elle était destinée à défendre la ville contre l'invasion russe. Elle ne permit qu'une molle résistance face aux troupes du tsar Alexandre, qui conquirent le pays en février 1808. Aujourd'hui, l'île est occupée par une communauté d'artistes et ses petites criques sont prises d'assaut le week-end. L'âme d'Helsinki, jeune métropole toujours à la recherche de son identité, se situe dans la complémentarité entre l'eau et la terre. La mer a investi la cité, qu'elle pénètre jusqu'au bord des grandes artères, jusqu'au cœur des quartiers résidentiels. La côte sud de la Finlande a connu de tout temps une histoire mouvementée. Étape incontournable entre l'ouest et l'est, elle a vu débarquer des marins venus de tous les horizons. Son climat est le plus doux du pays. À 120 km seulement d'Helsinki, Turku est la quatrième ville du pays et aussi la plus ancienne. Située sur l'Aura, qui divise la ville en deux, elle était fréquentée par des marins et des commerçants dès le XIIe siècle. Grand port de la Baltique, Turku vit surtout de la construction navale qui emploie près de 7000 ouvriers. Ancienne capitale sous la domination suédoise, elle fut le siège du premier évêché luthérien et de la première université du pays. Le centre-ville est animé par un marché aux fleurs, étalé au pied d'une église orthodoxe commandée par Nicolas Ier. Non loin de là, le château de Turku est l'un des plus célèbres édifices d'Europe du Nord. Bâti en 1280, il a subi 7 sièges et a été maintes fois incendié et ravagé au cours des siècles. Histoire toujours, Turku a subi un violent incendie en 1827 qui a détruit une grande partie des maisons entièrement faites de bois. Seul, le quartier de Luostarinmäki fut épargné. C'est aujourd'hui un musée en plein air qui fait revivre l'artisanat du 19e siècle. Une dizaine de métiers sont représentés ici, le moins classique étant celui de fabricant de rouleaux de tabac à chiquet.
Le cœur de la Finlande, c'est la région des lacs. Ce vaste système hydrographique qui s'articule autour de deux grands lacs principaux, le Päijän et le Saimaa, date de l'ère glaciaire. Il y a 12 000 ans, les glaciers ont raboté la roche pour creuser des trous profonds, bientôt remplis par l'eau des rivières. Ponctués d'une infinité d'îles, les grands lacs ont suscité la création de nombreuses villes. Une des plus importantes, Savonlinna. Le château médiéval d'Olavinlinna se dresse sur un îlot depuis l'an 1475. Il fut conçu lui aussi pour arrêter les envahisseurs de l'Est. Il abrite aujourd'hui l'un des festivals d'opéra les plus réputés du monde. Le festival d'opéra de Savonlinna a débuté au début du siècle avec Aino Akte, chantatrice célèbre qui chantait à l'Opéra de Paris. Ici, on joue de 4 à 6 opéras chaque année. Le festival dure près d'un mois et l'on reçoit en moyenne 60 000 spectateurs, dont un quart venus de l'étranger. Les Scandinaves viennent nombreux, bien sûr, mais également les Allemands et les Français. C'est en juillet que les vibrations de l'opéra se font sentir à Savonlinna. Le reste du temps, la petite ville tranquille se contente d'être un carrefour naturel pour la circulation sur le lac Saimaa. Le marché de Savonlinna est l'un des plus charmants du pays. Il présente une bonne synthèse de toutes les spécialités culinaires ou artisanales de la région. Raolinna, à 15 km de Savonlinna, est un somptueux manoir de bois conçu au début du siècle par un général de l'armée russe pour sa femme. D'après la légende, l'épouse aimée n'aurait jamais daigné faire le déplacement. Ce chef-d'œuvre de menuiserie, amalgame des styles victoriens et mauresques, a été transformé en hôtel-restaurant. À 20 km de Savonlinna, la crête de Punkaharju est un bel exemple des mouvements terrestres à l'origine de la formation des lacs. Longue de 7 km et bordée de petites baies, elle remonte à l'ère glaciaire. La crête est couverte d'une dense forêt de pins et de bouleaux. À Punkaharju, le bois est honoré sous la forme d'un musée qui présente tous les aspects de l'exploitation du matériau phare de la Finlande. Techniques ancestrales de fabrication des barques, ou création de meubles modernes aux contours parfois surprenants. Produits culinaires émanant de la forêt, jouets démesurés et même vêtements en écorce. Sur le même thème, le village de Kerimaki, tout proche, dispose de la plus grande église en bois du monde. Elle peut accueillir 3500 fidèles. Punkaharju est connu pour le centre d'art de Retreti. On y visite un musée bien particulier. Il est aménagé dans des grottes naturelles parcourues de ruisseaux et conçu pour abriter des sculptures d'artistes contemporains. En remontant le grand lac Saimaa vers le nord, on pénètre dans la région la plus orientale de Finlande, la Carélie. Berceau de la culture finnoise, la Carélie s'étendait jusqu'à la dernière guerre mondiale au-delà de l'actuelle frontière russe. Chef-lieu de la Carélie du Nord,
Joensuu est installé sur le fleuve Pielisjoki. Renommé pour ses chantiers navals, d'où sortaient les centaines de bateaux destinés à sillonner le golfe de Finlande et rallier Saint-Pétersbourg, Joensuu est aujourd'hui le centre économique, universitaire et culturel de la région. C'est à Joensuu que se trouve le plus bel exemple des liens finno-russes en matière de religion, la splendide église orthodoxe Saint-Nicolas. Elle sert de lieu de culte aux 5000 fidèles qui composent la deuxième communauté orthodoxe du pays. En Carélie comme ailleurs, le bois est LE matériau de base pour les architectes, les décorateurs et aussi pour bien des artistes comme Eva Rinnanen. Quand je commence à travailler, il faut que je me rende compte des caprices du bois. Il faut utiliser ces caprices pour réaliser l'œuvre la plus harmonieuse. Eva Rinnanen réalise depuis une trentaine d'années des sculptures qui s'exportent dans le monde entier. Le bois fait naturellement partie du paysage carélien. C'est autour de l'IEXA, centre forestier d'envergure internationale, que son utilisation architecturale est la plus développée. À l'IEXA, de nombreuses maisons ont été conçues avec recherche et talent. L'IEXA propose d'ailleurs un musée en plein air dédié à la construction et au mode de vie carélien. 70 bâtiments anciens marquent le travail des artistes du bois, que sont en Finlande les menuisiers et les charpentiers. En Carélie, l'aventure sportive fait souvent rimer bois et eau. Ainsi, ces antiques barques, rénovées avec soin, mais pas toujours dans les moindres recoins, servent à des balades quelquefois fort agitées. Agitation, c'est le maître mot des adeptes du kayak qui aiment affronter les nombreux rapides de la région. Pas de quoi perturber les pêcheurs qui taquinent saumon, truite et autres brèmes dans une eau très poissonneuse. Après l'effort, le réconfort vient souvent d'un feu de camp agrémenté de solides victuailles et du son apaisant de la musique. En effet, chaque été, l'IEXA est le rendez-vous privilégié des cuivres dans le cadre d'un festival de grande renommée. En Carélie, toutes les traditions sont précieusement entretenues, surtout là où flotte le drapeau de la province. L'une d'elles, la confection des piraka. Une grande dextérité est nécessaire pour donner à cette tartelette fourrée d'une pâte de riz cette forme si particulière. Quelques minutes de cuisson, et les piraka peuvent être dégustées couvertes de beurre d'œufs durs hachés. Kuopio, baigné par les eaux du Kalavesi, est situé en plein centre de la région des lacs, dans la province du Savo. Grand centre industriel, Kuopio se développe sans cesse, tant du point de vue de l'urbanisme que de la démographie. Il y
Ils sont nombreux parmi les 85 000 habitants de Kuopio à profiter des charmes de cette agréable station balnéaire, dotée d'une large plage de sable fin, inattendue sous ses latitudes. On a du mal à imaginer qu'en hiver, ses rives sont couvertes de neige et que la surface du lac n'est qu'une épaisse couche de glace. Le cœur de la ville se situe sur la place Kaupatori. À une extrémité, le marché couvert fait valoir ses couleurs pastel et sa décoration imagée. À l'autre extrémité, l'hôtel de ville, qui date de la fin du siècle dernier, veille sur un kiosque moderne où l'on joue de la musique presque chaque jour en été. Au centre de la place se tient le plus riche marché de Finlande, où se côtoient toutes les spécialités du pays. Le lac Kalavesi a un caractère sacré pour les habitants de Kuopio. Les Finlandais, en effet, croient au pouvoir magique des éléments naturels qui sont autant d'émanations du divin. Cette perception des choses provient d'une longue tradition inspirée par les héros du Kalevala, la grande épopée nationale qui regroupe des chants et des poèmes mythiques très anciens. Les Finlandais croient également dur comme fer aux vertus du sauna. Celui-ci, le plus grand du pays, peut accueillir jusqu'à 70 personnes. Et si le vieil adage dit que le Finlandais construit son sauna avant sa maison, c'est qu'il en existe plus de 2 millions dans un pays de seulement 5 millions d'habitants. La région des lacs s'estompe à 600 km au nord d'Helsinki. Au-delà, s'étire un vaste plateau boisé que l'on traverse pour rejoindre la Laponie. Un petit vent hivernal semble déjà souffler à Vuokatti, où un tunnel est aménagé pour s'entraîner au ski de fond toute l'année. La qualité de la neige est garantie, même en plein été. Kuopio est fameuse pour recevoir un important festival de musique de chambre dans un cadre unique. Une salle de concert entièrement en bois. S'il faut réserver des mois à l'avance pour vivre à l'heure du festival, des mélomanes locaux n'ont pas hésité à prendre un fauteuil à vie pour être certains d'assister au concert. Le nord de la Finlande s'assimile à la Laponie, immense territoire qui couvre également le nord de la Suède et de la Norvège. Le peuple lapon compte 50 000 personnes, dont seulement 6 000 vivent en Finlande. À 200 km au sud-est de Rovaniemi, le chef-lieu de la Laponie, Kuusamo est la ville la plus méridionale de la fameuse contrée. Ses 20 000 habitants vivent essentiellement de la forêt, de l'élevage et de la pêche. Kuusamo Uistion est une société qui existe depuis une trentaine d'années et qui emploie 30 personnes. Nous fabriquons des cuillères pour pêcher l'ombre, la truite ou le brochet tout au long de l'année. 20% de notre production est exportée à l'étranger. Nous développons une large gamme de produits, dont certains existent depuis près de 80 ans et que nous continuons à améliorer. Voici les deux modèles les plus vendus en Finlande. Autour de Kuusamo, la pêche prend toutes les formes. La pêche au filet, que l'on pratique sur de vieilles barques en bois, est destinée à attraper essentiellement des muikus, en français des lavarets, petits poissons blancs qui servent d'indicateurs écologiques. Ils ne vivent que dans des eaux vierges de toute pollution.
Les moïkous subissent le sort de tous les poissons en Finlande. Ils sont souvent fumés, ici de façon artisanale. Quelques morceaux de sucre sont placés sous le grill, le feu est soutenu et le petit fumoir fait son œuvre. Un délice. Autre tradition, les flotteurs de bois. Ils ne sont plus très nombreux à faire parcourir des dizaines de kilomètres au train de troncs d'arbres. Les troncs sont désormais acheminés par des bateaux pousseurs, par la route ou par le rail. Reste la démonstration de force, d'habileté et de souplesse. Un immense parc national se déploie autour de Kuusamo, le parc Ullanka. Il est traversé par le sentier de randonnée le plus célèbre du pays, le circuit de l'ours. Si l'animal culte de la Laponie n'apparaît pas toujours à l'arrivée des promeneurs, ceux-ci disposent de 70 km de pistes aménagées pour apprécier les richesses naturelles de la région. Trois fleuves importants, ponctués de rapides, permettent des balades plus aventureuses. La Finlande est un vrai paradis pour les amateurs de raft et de canoë. On peut parcourir jusqu'à 350 km sans descendre de son embarcation. La chaîne du Rukatunturi culmine à 462 mètres. Grâce à elle, même en été, les Lapons ne sont privés ni de luge, ni d'exploits à ski. L'été en Laponie ne dure guère plus de 2 mois, mais 2 mois où le soleil ne se couche pas. Le manteau neigeux couvre le sol d'octobre à mai. À l'approche du 25 décembre, il peut apporter quelques jolies surprises. On y va alors ? Venez ? Il faut suivre le guide pour accéder à la légende. Maintenant, nous sommes à la porte du village de Noël. Donc, ici, c'est la porte, et quand vous franchissez cette frontière, vous devrez voir des créatures magiques comme des lutins. Lutins de bois et lutins réels qui annoncent la venue d'un personnage à la renommée planétaire, le Père Noël. C'est au cœur de la Laponie qu'il prépare le long périple qui le mène dans tous les foyers du monde. Noël fait s'illuminer toutes les villes de Finlande. Avant la fête, les marchés fleurissent à Helsinki et à Turku. Les marchés de Noël sont depuis longtemps une tradition dans les pays du Nord, avec leur lot d'objets de décoration, de bijoux, de vêtements et autres spécialités culinaires qui célèbrent l'événement. Dans le sud du pays, Noël est l'occasion d'honorer Sainte Lucie. D'origine suédoise, cette célébration consiste à désigner une charmante jeune femme qui, une couronne de lumière sur la tête, annonce en chantant la venue prochaine de l'enfant Jésus.
a pas de fête de Noël sans bon repas. Et les responsables de certains établissements font preuve d'une belle imagination pour transporter leurs convives au 7e ciel. Un dîner de Noël avec les anges, un rêve ici réalité. Même s'ils sont servis au paradis, les repas de gala des restaurants ne cherchent pas à concurrencer la cuisine traditionnelle, tout aussi créatrice et savoureuse, conçue à la maison. Le fameux buffet de Noël finlandais fait étalage de toutes les délicieuses spécialités du pays. Au menu, gratin au rutabaga, petit hareng de la Baltique, saumon cru mariné à la nette, tranche de jambon rôti au four, piraka, pain de seigle et crème à la fraise. Rassasié, on peut abandonner un instant la chaleur douillette de la salle à manger pour savourer, dans un lieu moins chaleureux, une dernière spécialité locale, le glögg, un vin chaud à consommer avec modération et sans glaçons. En Finlande, Noël voit se côtoyer le culte religieux et un culte plus mythique. La légende débute par l'arrivée d'un renne nommé Rodolphe, tirant devant des spectateurs surpris un large traîneau. C'est le traîneau du Père Noël. Chaque année, des milliers de visiteurs venus des quatre coins de la planète viennent rendre visite à la superstar et découvrir son village. C'est dans son bureau que le Père Noël reçoit chaque jour des dizaines d'enfants qui parfois n'en croient pas leurs yeux. Le mythe n'empêche pas la réalité commerciale et les boutiques qui déclinent à l'infini l'effigie de la star locale occupent la plus grande partie du village. Été comme hiver, la place du village est animée par des personnages tout droit sortis des contes enfantins. L'animation, c'est le maître mot de la poste, un endroit stratégique pour le Père Noël. Nous sommes dans le bureau de poste de mon village, situé sur le cercle arctique, à 9 km de Rovaniemi, capitale de la Laponie. Nous recevons ici environ 700 000 lettres par an. Elles viennent de 160 pays différents. Et le Père Noël, assisté de ses lutins, répond à toutes les lettres par courrier et aussi, bien entendu, par email. Merry Christmas to everybody and Happy New Year. Rovaniemi, la plus grande agglomération lapone, est située sur les bords de Lounasjoki. La ville fut rasée par les Allemands en fuite à la fin de la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à partir de 1945 sous la direction du plus célèbre architecte finlandais, Alvar Aalto. Arcticum, centre arctique et musée de la Laponie, rappelle que malgré les conflits, les coutumes demeurent. À Arcticum, on découvre aussi bien les habits chatoyants des Lapons, de plus en plus rarement portés de nos jours, que leur ancien habitat de nomades. Une place importante est également réservée à la faune de l'Arctique. Loups, phoques, hermines, ours bruns, ours polaires et bien sûr, rennes. C'est en l'honneur de ce dernier qu'à Rovaniemi, des tonnes de neige sont apportées au centre de la ville. La piste est prête ? La course de rennes est annoncée. Présentation des concurrents. Pas
pas toujours très docile. Quelques mots d'encouragement de la vedette locale. Concentration avant le départ. Les rennes sont lâchées. La Laponie s'ouvre au sud-ouest sur les eaux du golfe de Botnie. Leur faible teneur en sel favorise la formation de la banquise. En hiver, c'est donc sur le rivage d'une mer de glace que se trouve Kemi, surnommée la Perle du Nord. Grand port de commerce et ville carrefour pour l'industrie du bois, Kemi n'a conservé que quelques édifices d'avant-guerre. À l'instar de Rovaniemi, elle a été en grande partie détruite par les troupes allemandes. Tout semble ici prendre une autre dimension, à l'image des imposantes maisons de bois, des sculptures de glace ou des trésors qu'abrite le musée des pierres semi-précieuses. Plus de 3000 pierres provenant du monde entier voisinent avec la jolie spectrolite que l'on ne trouve qu'en Laponie et avec des copies de bijoux précieux, la parure de Marie-Antoinette, la couronne de la reine Elisabeth II d'Angleterre ou celle conçue en 1918 pour un roi de Finlande qui ne monta jamais sur le trône. Qui dit roi dit château et celui de Kemi est éphémère. C'est un château de glace rebâti chaque hiver. 20 000 mètres cubes de neige et 100 mètres cubes de glace sont nécessaires à sa construction. À l'intérieur, une galerie d'art glaciale expose les œuvres d'artistes venus du froid. Des messes ont lieu dans la chapelle au siège heureusement recouvert de peaux de renne. Le soir venu, le château dispose d'un bar où l'on sert des boissons chaudes dans un cadre vraiment aristocratique. Durant les longs hivers lapons, se déplacer sur les lacs gelés ou sur la banquise de la mer Baltique est une nécessité. La motoneige a depuis longtemps remplacé les traîneaux à rennes. Le renne était certes plus silencieux, mais le plaisir de la glisse sur les grandes étendues vierges est toujours le même. Le lent mouvement du brise-glace qui fend la mer gelée dans un formidable fracas rappelle l'importance économique des accès maritimes. Ces monstres de puissance assurent pendant de longs mois la continuité des liaisons commerciales dans le golfe de Botnie et au large d'Helsinki. Le capitaine du Sampo décrit sa mission. Le Sampo est le seul brise-glace dans le monde à embarquer des passagers. Il est utilisé de la mi-décembre à la fin du mois d'avril. En Finlande, nous avons vraiment besoin des brise-glaces. La plupart appartiennent à l'État, qui les utilise durant nos hivers très rudes pour ouvrir la voie aux bateaux à partir des différents ports du pays. La glace a en moyenne une épaisseur de 40 à 50 cm près de la côte, mais nous pouvons briser sans problème une glace épaisse de près d'un mètre. Si le brise-glace fait quelques haltes, c'est pour embarquer, avec les moyens du bord, quelques nouveaux voyageurs. L'arrêt permet également aux passagers de prendre un bain de mer, bien rafraîchissant. Une fois revêtus de combinaisons thermiques,
La banquise peut devenir presque confortable, même si la température extérieure frise les moins 20 degrés. C'est formidable, j'adore ça. Les Finlandais aiment la glace et la neige, car elles leur apportent, disent-ils, la lumière dans la longue nuit de l'hiver. Plus au nord, la route qui mène au cœur de la Laponie traverse une région où les arbres se font plus petits et plus clairsemés. Alors, apparaissent les premiers vrais reliefs. Si les collines enneigées dépassent rarement les 1000 mètres d'altitude, elles permettent néanmoins la pratique de nombreux sports d'hiver. La petite station de Lévi, à 200 km de Rovaniemi. Notre saison de ski dure environ 7 mois, de la fin octobre à début mai. On peut pratiquer ici le ski de descente, le ski de fond ou de randonnée et le snowboard. En Finlande, les routes sont souvent doublées d'une piste destinée à tous les moyens de déplacement basés sur la glisse. Le ski de randonnée, qui permet la découverte hors piste, exige un équipement complet et beaucoup d'efforts. La raquette est plus légère, surtout qu'aujourd'hui, le plastique a fait passer les vieilles raquettes en bois au rayon des antiquités. Dans un pays relativement plat, les alpinistes ont tout de même de quoi satisfaire leurs envies d'escalade avec quelques parois joliment glacées. Quand le vent se lève et quand le froid arctique engourdit les muscles, les sportifs ont encore la possibilité de pratiquer certaines disciplines à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Ici, prouesse sportive par écran interposé, bien au chaud. Avec l'incontournable sauna, le bain en piscine est l'un des meilleurs moyens de relaxation après les exploits sur les pistes. Être en forme pour effectuer, le soir venu, quelques derniers efforts physiques du type décontracté. Outre la danse, les Finlandais sont très friands de jeux. Nombreux sont les lieux publics à proposer ces divertissements qui donnent priorité au hasard plutôt qu'à l'effort. Se fait plus tardive, le jeu à la mode Lapone laisse la place aux décibels, aux orchestres locaux et aux amoureux du rythme. Une fois passé le cercle polaire arctique, les conditions climatiques sont parfois très rudes. Quand la tempête de neige fait rage, la circulation est difficile. Les refuges, ce sont les kesämökki, ces vieilles maisons de campagne situées en retrait des routes, au bord d'un lac ou à l'orée d'une forêt. Les intérieurs, un brin nostalgique, respirent le bois et les plantes séchées. Confort et chaleur, c'est surtout au coin de la cheminée que le temps prend son temps et s'écoule lentement,
très lentement. Sortir dans ces conditions extrêmes relève alors de la gageure. Chevaucher un cheval en est une autre. Les chevaux islandais, habitués aux températures les plus basses, s'avèrent alors de charmants compagnons. Laponie, c'est le pays des rennes. Depuis plus de 1000 ans, ce cervidé constitue la ressource de base des Lapons. Même si de nos jours, la Laponie a d'autres sources de revenus, le culte du renne demeure. Nous sommes éleveurs de rennes et cet animal représente tout pour nous. Il est notre gagne-pain. Du renne, on utilise pratiquement tout. La peau est utilisée entière, mais peut également servir à faire des chapeaux ou des chaussures. Avec les bois, on fait différents objets comme des chandeliers, par exemple. Il faut savoir que le mâle perd ses bois tous les ans alors que la femelle les conserve. Quand elle est enceinte, elle en a besoin pour se défendre au moment où elle doit chercher la nourriture. Les rennes ne sont pas des animaux sauvages. Ils vivent en troupeau et appartiennent tous à des éleveurs. L'extrême nord de la Laponie est une immense toundra désertique. Seul le lac Inari, cerné par les forêts de pins et de bouleaux, a permis l'existence de quelques localités où les conditions climatiques sont souvent très rudes. L'aéroport d'Ivalo est le plus septentrional de Finlande. Le lac Inari, troisième lac du pays, est parsemé de plus de 3000 îles. Pour les Lapons, il est l'émanation terrestre d'un esprit divin. Sur ses rives, les habitations sont rares. La population s'est plutôt regroupée au détour des méandres du fleuve Ivalojoki, dans le confort de la petite ville d'Ivalo. Centre administratif et commercial de la commune d'Inari, Ivalo est une bourgade où la vie quotidienne est régie en grande partie par les conditions climatiques. Si l'électricité empêche aujourd'hui les moteurs de geler sur place, le travail manuel est toujours de mise. Mais ces difficultés n'ont aucune commune mesure avec celles que rencontraient les chercheurs d'or qui prospectèrent la Laponie jusqu'à la fin des années 30. Ils avaient un sens pratique développé. Un gramme d'or égale 10 allumettes. La Russie n'est pas loin. Près de Nelim, à seulement une vingtaine de kilomètres d'Ivalo, l'avertissement est clair, c'est la frontière. Pas de poste de douane pour surveiller la fin de la route annoncée par un panneau. Les voitures font demi-tour. Ici, seules les rennes n'ont pas besoin de visa. La neige et la glace sont partout, enveloppent tout, recouvrent tout. Le moindre déplacement peut alors s'avérer délicat. Seule, la motoneige passe. Sur le lac Inari, elle est utilisée pour les déplacements quotidiens, mais aussi à des fins plus ludiques et même culinaires. Une longue vrille pour percer la glace, et le tour est joué. Brown trout. On pêche différentes espèces de truites, des saumons, des ombres et des mouikous. Oh, ce matin, ça va, il fait seulement aux alentours de moins 20 degrés. La glace ici a environ 70 cm d'épaisseur, mais elle peut atteindre 1 mètre d'épaisseur. L'habitat de bois résiste sans problème aux températures les plus basses qui peuvent taquiner les moins 50 degrés. La vie dans un igloo est plus rudimentaire et plus occasionnelle.
Elle est désormais anecdotique et réservée uniquement à des voyageurs nostalgiques qui veulent s'offrir le grand frisson. Autre grand frisson, celui que certains Finlandais s'offrent à la sortie du sauna, en pénétrant dans une eau très revigorante. Ce jour-là, le thermomètre indiquait moins 27. Certains sportifs n'ont pas besoin de briser la glace pour pratiquer leur activité favorite. D'autres ont juste besoin d'un petit trou. Pour les chiens husky, sport rime avec traîneau. Une longue préparation est nécessaire à l'utilisation de ce moyen de locomotion ancien qui allie tradition, action et découverte. Par une lumière tour à tour brillante et apaisante, faite de jours sans fin et de nuits boréales, la Finlande a pu jusqu'ici conserver sa nature intacte. Une nature qui fournit au pays toutes ses richesses, qui influence le mode de vie de tous ses habitants et qui inspire tous ses artistes. Ici, la nature, ce sont aussi les couleurs de la lumière, les couleurs du soleil de minuit.